Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Spacelands. Donc tout d'abord avant de commencer ce glitch, je tiens à remercier énormément Donovan qui m'a dit de présenter ce glitch car c'est un espagnol qui a découvert ce glitch et lui m'a partagé sa vidéo, donc c'est grâce à lui que je fais cette vidéo. Et aussi TrashDead42, donc TrashDead Zombie. Je mettrai le lien de sa chaîne en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de TrashDead Zombie, il fait des glitchs aussi, c'est un nouveau youtubeur. Donc voilà, il annonce du lourd, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner et à lâcher un petit hashtag SoisCoolMec dans ces vidéos pour dire que vous venez de ma part. Donc voilà. Alors, le glitch consiste à faire des runes, enfin des manches en illimité. Vous allez pouvoir gagner des clés en illimité et faire des manches en illimité et vous allez pouvoir partager vos clés. Donc voilà. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra minimum 25 tickets. Donc pour avoir les 25 tickets, vous prenez la tête de Neil et vous le mettez tout simplement sur son corps. Comme ça, vous gagnez 25 tickets gratuitement, automatiquement. Ensuite, pour réaliser le glitch, il vous faudra aussi soit des grenades Samtex, soit des biopointes comme j'ai là, ou alors carrément des cryogrenades. Donc je me suis fait 350 tickets, enfin j'en ai même 500 là. Donc pour vous montrer que ça fonctionne aussi avec les cryogrenades, je vais les utiliser. Et voilà. Donc ensuite, quand vous avez tout ça, que vous avez vos équipements secondaires, il faudra juste aller dupliquer le retour en arrière. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, quand vous êtes auprès d'un retour en arrière qui se trouve dans un des 6 chariots de la map, donc si jamais vous en avez plus, que vous avez raté la duplication, toutes les 10 manches, il y a un réapprovisionnement des chariots, donc n'hésitez pas à aller voir, à faire le tour des 6 chariots pour voir s'il n'y en a pas un qui a respawn. Alors là, c'est l'étape la plus difficile du glitch, c'est de réussir à dupliquer le retour en arrière parce que c'est une question de timing. En fait, il va falloir laisser son doigt appuyer 75 millième de seconde, donc même pas une seconde, sur carré et puis sortir votre grenade, cryogrenade, votre biopointe, votre grenade Samtex, etc. Donc pour savoir si ça a bien fonctionné, vous allez devoir entendre le son de l'achat. Donc mettez bien le son à fond de votre jeu pour bien entendre si vous avez bien réussi, parce qu'il ne s'affichera pas en bas à droite. Donc là je vais me concentrer, je vais mettre le son à fond pour bien écouter et pas me faille. Voilà, là j'ai réussi du premier coup. Donc là ce que je fais, c'est que je lâche carré, je peux lâcher carré, je laisse mon doigt appuyé sur mon bouton tactique pour les grenades. Et là, je vais aller aux fontaines. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de lancer une partie personnalisée. Parce qu'en fait, il va falloir, enfin moi je vous conseille de le faire à deux. Parce qu'en solo, il vous faudra la carte résurrection. Donc la carte que je mets juste en bas à droite. Il vous faudra cette carte là si vous voulez le faire en solo. Et quand vous tomberez, il va falloir attendre 2 secondes, donc vous comptez 1, 2, et puis après vous activez le retour en arrière. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser tuer par le zombie, mon pote TrashDead il va me réanimer tout simplement. Et à la fin, genre vous divisez la barre en 5, et au dernier cinquième, vous activez le retour en arrière. Il ne faut pas attendre la dernière seconde parce que sinon ça n'ira pas, il faut genre attendre les 2-3 dernières secondes et vous activez votre retour en arrière. De toute façon vous allez le voir en live, je vais le faire en live. Donc la petite astuce, c'est de ne pas allumer l'électricité. TrashDead allumera l'électricité. Lui garde le zombie en attendant que moi je fais des petits allers-retours sur cette fontaine verte ici. Regardez, ici, pas celle là-bas, mais celle ici. Et il faut vraiment se mettre vraiment à ras de la fontaine. Il ne faut pas se mettre sur la fontaine parce que si vous vous mettez sur la fontaine, vous subirez des dégâts, vous serez AFK mais vous pourrez mourir, vous ne serez pas en god mode. Que si vous le faites vraiment sur le côté, quoi, vraiment là où je suis, et ben là vous serez AFK mais vous serez en god mode. Et là, les zombies, en fait, ils viendront tous devant vous. Donc là, je vais me mettre un peu plus comme ça, on va voir un peu les zombies devant moi. Hop, et je fais des gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et je dois le faire blindé de fois. Je ne saurais pas vous dire combien de temps il faut le faire, mais voilà, faites-le un maximum pour être sûr que vous ne faillez pas et que ce soit bon. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Essayez surtout aussi de ne pas passer sur la fontaine, parce que sinon, c'est mort. Donc là, vous vous laissez tuer. Voilà. Donc en solo, vous attendez 2 secondes et vous activez votre retour en arrière. Regardez, en bas à droite, il y a mon retour en arrière. J'aurais activé bien sûr la carte résurrection si j'aurais été en solo. Comme là, je suis en multi, TrashDead va me réanimer. Et au dernier cinquième, vous allez voir, donc les 2-3 dernières secondes,
Je vais activer mon retour en arrière et là vous allez voir que je vais être en AFK. Vas-y, tu peux me réanimer. Donc, genre maintenant. Voilà. Et là vous allez voir, je suis invincible. Donc là maintenant, ce que Strage Dead il va faire, il va tout simplement aller allumer l'électricité des fontaines. Et vous allez voir que le zombie va mourir à chaque fois grâce au jet en fait. Vous le tuez pas, mais le jet va pouvoir le tuer. Donc au final, ça revient un peu au même glitch que les auto-tamponneuses. Question rentabilité, je sais pas si c'est un peu plus rapide. Bon, il y a quand même 5 jets il y a 5 jets. Donc c'est possible que ce soit un petit peu plus rapide. Mais bon, après, je serai pas à vous dire. Ça, c'est à vous de tester. Donc voilà. Voilà, les fontaines sont allumées. Vous allez voir que le zombie va mourir. Regardez. Voilà. Et là, je vais aller jusqu'à la manche 10. Il faut impérativement attendre qu'il y ait un Brutus. Parce que c'est possible qu'il y ait des zombies derrière vous. Et si les zombies restent bloqués derrière vous, il n'y a pas de jet derrière vous. Donc forcément, ça ne va pas passer la manche. Donc il faut impérativement qu'il y ait un Brutus avec vous. Donc soit ce que vous faites, c'est que vous attendez d'être à la manche 9 et puis vous invitez votre ami. Comme ça, vous faites toute la préparation. Et puis à la manche 9, vous faites la duplication, vous faites le glitch. Et là, votre ami a juste à attendre que le Brutus arrive. Ou alors, vous le faites comme moi, je l'ai fait à la manche 7 avec Trash Dead, si votre coéquipier est d'accord de vous aider un peu plus longtemps. Et vous le faites à la manche 7 et vous attendez que le Brutus arrive et votre pote vous aide à passer les manches en attendant. Donc là, je vais aller jusqu'à la manche 10, comme ça, quand il y aura le Brutus, je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Et voilà, donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là, on vient de passer la 11e manche, car le Brutus n'était toujours pas là à la 10. Donc il y a une petite théorie de Trash Dead qui pense qu'à chaque fois qu'on a les clones à la manche 6, forcément le Brutus est là à la manche 11 ou à la manche 12. Ça dépend si on a les clones à la manche 11, là on les a eu à la manche 11 les clones, donc voilà. Donc là mon pote il va se laisser mourir. Donc vous allez voir en bas à gauche, de toute façon il va y avoir une tête de mort. Donc voilà, de toute façon il est mort devant moi. Et là je vais mettre la vidéo en accéléré pour vous montrer que la manche a bien passé. Bon, attendez, parce que là il s'est réanimé, je sais pas comment il a fait. Donc voilà, là c'est bon, il est mort. Est-ce que moi je peux le réa? Non, je peux pas le réa. Donc là on peut voir qu'il y a le Brutus qui est bloqué sur moi. Et en fait, je me suis peut-être un peu trop placé sur la fontaine. Parce que je vois que le zombie à droite, là que vous pouvez voir, il est le zombie à droite, il se prend pas la fontaine. Donc le zombie à gauche non plus. Donc peut-être que si je me serais un peu plus reculé, les trois seraient morts en fait. Donc là j'en tue un sur trois en fait en réalité. Et j'ai vu dans la vidéo de l'italien que je vous mettrai en source réelle, de l'italien espagnol, lui il s'est bien positionné et les trois zombies se mangent le jet en fait. Mais il est un peu plus reculé comparé à moi. Donc voilà, il y a peut-être moyen de mieux se placer. Mais bon, moi je suis pas un expert là-dedans. En plus je fais pas des clés avec ce glitch, je fais des clés avec le glitch en multi. Donc voilà, moi je vous le présente, je pense que vous avez compris un peu le délire. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'espagnol pour voir un peu plus comment lui s'est placé. Ça pourrait vous intéresser parce que vous pouvez voir que le zombie de gauche et de droite là, il meurt pas. Et dans sa vidéo, il meurt. Donc c'est pour ça qu'il vous faut le Brutus, parce que le Brutus il va tuer les deux zombies là qui meurent pas. Et c'est comme ça que ça va passer les manches au fur et à mesure, il débloquera les zombies qui sont bloqués tout simplement. Donc voilà, la manche est passée. Vous avez bien vu que mon pote il est resté, donc Trash Dead il est resté mort pendant toute la manche pour vous montrer que ça fonctionne bien. Là j'avoue que ça a pris quand même pas mal de temps. Mais en même temps il n'y a qu'un Brutus, donc quand vous irez à la manche 20, quand vous serez à la manche 20, il y aura deux Brutus. Donc s'il y a un zombie qui bloque à gauche ou à droite, il va beaucoup plus vite être défoncé, donc tué par le Brutus. Et donc voilà, normalement ça ira un peu plus vite à partir de la manche 20. Mais bon, comme je vous ai dit, je me suis encore mal positionné. Je suis pas un expert de ce glitch. J'aurais dû me positionner réellement un ou deux pas en arrière. Et là, ça aurait fonctionné du tonnerre. Donc dès que vous aurez trouvé bien le positionnement, bien la technique pour le faire, à mon avis, ça fonctionnera super facilement. Voilà, si jamais, de toute façon, il y a la deuxième option avec les auto-tamponneuses. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum, à commenter si vous avez une astuce ou
ou quelque chose à dire à propos de ce glitch. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir la chaîne de Trash Dead Zombie, qui sera en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et encore une grosse dédicace à Trash Dead et à Donovan, car c'est grâce à eux que j'ai fait cette vidéo. Donc merci à vous deux, et voilà, merci à vous aussi les abonnés de me suivre hein, et d'être aussi fidèles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos, allez ciao, peace. Yummy, bruh. 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 Yummy, bruh.